Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en couple avec Thierry depuis 5 ans et je crois qu'il a un gros problème. J'adore l'administratif. J'adore quand chaque démarche est lente, qu'on me demande de renvoyer 45 fois le même formulaire. J'adore ça. C'est mon kiff. Ah non, mais votre dossier, il est incomplet, monsieur. Il manque le verso du formulaire 473U. Donc là, il va falloir reprendre rendez-vous. Hein. Vous pouvez rappeler le service client. Il est ouvert de 7h27 à 7h45 le mercredi. Moi, je peux rien faire. Mais moi, je pensais qu'il était comme tout le monde. Que ça le saoulait de remplir sa feuille d'imposition, ou de chercher sa carte vitale partout, ou de faire des démarches sans fin juste pour un changement d'adresse. Mais non. En fait, il adore ça. Là, j'ai quoi? J'ai... Ah oui. Alors, celui-là, je m'en souviens. J'avais attendu 5h22. Assis, à attendre qu'on m'appelle. Mais j'ai fait mieux. 7h41. C'était le plus beau jour de ma vie. Ça faisait déjà un moment que j'avais des doutes. Il était jamais là où il disait qu'il était. Il était tout le temps au téléphone. Il était très distant. Moi, je pensais qu'il me trompait. Hein. Mais une nuit, j'ai tout compris. On a toujours la même adresse, ouais. Thierry? Je peux tout t'expliquer. Vous savez, quand on s'est rencontrés, il était tellement mignon. À l'époque, j'étais hôtesse d'accueil à la sous-préfecture de Glotlon-les-Mines et quand je l'ai vu arriver avec ses petits dossiers sous le bras, ça a été un coup de foudre immédiat. Il était tellement chou, il faisait même exprès d'oublier des dossiers, à chaque fois. Alors, moi je pensais que c'était un prétexte pour me revoir, mais maintenant je sais que... c'est parce qu'il adorait refaire la queue. Pardon. Deux. Chérie, tu peux m'aider à plier les trucs, là? T'es encore avec Amélie, c'est ça? Non, c'est pas ce que tu crois. J'entends la musique là. Non. Tu te fous de ma gueule. Mon temps d'attente est estimé à 2 minutes. Raccroche. Non. Raccroche. Non. Raccroche-moi. J'en ai marre. J'en ai marre. Si je devais choisir entre Juliette et l'administratif. Je te quitte. Adieu. Vous savez combien de paperasses il faut pour un divorce? Ça va être compliqué! Attendez, oh ouais. Je prends rendez-vous direct avec le notaire. Chaque année, des dizaines de couples se séparent à cause des démarches administratives. Ne soyez pas comme Thierry. Faites plutôt vos démarches administratives de santé en ligne avec le compte Amélie. Vous pourrez consulter vos remboursements, télécharger une attestation de droit, même modifier votre adresse postale ou vos coordonnées bancaires. C'est plus simple, plus rapide, et ça facilite la vie.